Laisse-moi conduire, d'accord? Quoi? 4 minutes? Accélère! T'es conscient que tu me demandes d'accélérer et de ralentir dans la même phrase? On se dirige vers le sud sur Collins. On s'approche de la 22e rue. Bien reçu, le soutien aérien a un contact visuel. Que je vais vomir. Oh, ça, pas question que tu vomisses. C'est du cuir cousu à la main. Ravale-le. Merde, Marcus! Écoute, c'est toi le copilote, ok? C'est à toi de me dire où tourner. Et où sont tes lunettes? Il faut que tu les portes, compris? J'ai pas besoin de lunettes! Marcus, tu dois plus rien! Oh, c'est... C'est pas mieux la route que ce petit bijou. Sortez-moi cette foutue voiture tout de suite. Hey oh, fais chier. Allons, merde. Ça va, t'as qu'à la faire polir. Non, toi, t'as qu'à la faire polir. Police de Miami, laissez passer, vite. Police de Miami. Police, laissez passer. Police de Miami. Vite, vite. Désolé. Papa. Mon vieux, t'es un grand papou. Oh, chérie, regarde-le. Il a mes yeux, regardez. Et tes oreilles. Et autre chose, mon chéri. Voici Marcus Miles Burnett. Mais c'est mon nom. C'est aussi le sien. On l'a nommé en ton honneur. C'était l'idée de Reggie. J'ai pensé que ce serait un geste de respect, monsieur, si vous êtes d'accord. Je l'apprécie. Mais tu vas tout de même devoir officialiser ta relation avec ma princesse. Oncle Mike, tu veux prendre le bébé? Oh, non. Oncle Mike va sauter son tour, merci. Oh non, c'est pas vrai. Arrête de pleurnicher. Non, Mike. Arrête. Regarde le bébé. Arrête ça tout de suite, je suis sérieux. Mais regarde le bébé. Ok, tu sais quoi? Je vais attendre que tu te ressaisisses à l'extérieur. Mike, le bébé. Cambio de guardia, bloque 3, 10 minutos. Cambio de guardia, bloque 3, 10 minutos. Vamos, damas! Inútiles! Avanza, avanza! Aretas. Aretas. Capón.
¡Qué mierda! Mijo. No estés triste por su muerte. El espíritu de tu padre ya está libre de las rejas que me encerraban. Este fue el último regalo de tu papá antes de que muriera. Ya eres un hombre. Al fin estás listo para lo que se tiene que hacer. Debes regresar el honor y el respeto a nuestra familia. Tu padre encontró la forma de esconder millones de dólares antes de ser encerrado. Aquí están las coordenadas para que los busques. Vamos a recuperar lo que es nuestro. Este dinero nos va a traer de ingresos finalmente. Y la gente que destrozó nuestra familia va a saber lo que se siente ser perseguidos. Él muere al último. Marcus, approche. Ce soir, je veux que nous levions nos verres à l'un des nôtres. Et j'espère sincèrement qu'un jour, ton héritier décidera de suivre les traces de son grand-papa croulant. Et voudra lui aussi protéger notre belle vie. À Marcus. Non, Marcus Burnett continuera de semer la terreur chez les pourritures de ce monde pendant encore des années. C'est gentil, merci, merci à vous tous. Mike et moi, on fait régner l'ordre dans ces rues depuis près de 25 ans. Et j'espère qu'elles sont plus sûres grâce à nous. Vous êtes tous exceptionnels. Merci du fond du cœur. C'est un honneur de vous connaître. Marcus! 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 Pas bien enfoui son trésor, pas vrai? Si on trouve rien, tu devras quand même le payer. Mamma mia. Le trésor enfoui sous l'océan. J'ai entendu les rumeurs, Pelo Cogno. Ça devrait couvrir les frais des matériaux dont on a discuté. Et même plus. Non, c'est ce que... toi, tu gardes. Répète ça. On avait une entente. Bien, je la renégocie. Oups. Oups. Approche. Regarde-moi. Je ne renégocie jamais. Ma famille va reprendre le contrôle de cette ville. Et on aura besoin d'employés fidèles. Qui veut un boulot? Vous avez l'assurance dentaire? Qu'est-ce que t'as dit? Tranquilo, papo. Ton salaire vient d'être augmenté. Partage ces billets avec ton équipe. Compris? Compris.
C'est moi le patron maintenant. Assure-toi que tes gars obéissent. Tiens-toi loin de moi et je te tuerai pas. Vamos, muchacho, prenez l'argent, dale! Vamos! Vamos! Romain. Armando. Es nuestro. Muy rápido, ¿no? Tenemos una nueva base de operaciones. Has pasado tanto tiempo en el otro lado que ya suenas como gringo. C'est terminé, Mike. Bon, ça y est, ça recommence. Non, c'est différent cette fois. Quand j'ai regardé mon petit-fils dans les yeux, tout a changé. Je veux passer mes journées à regarder ce petit gars grandir. Ah, je suis sûr que ta femme veut pas que tu passes tes journées à la maison à engraisser et à tout briser. Désolé de te dire ça, mais nos meilleures années sont derrière nous. Mm-mm. C'est l'heure de changer les choses, d'évoluer. Pas moi, en tout cas. Parce que je mène une vie de rêve. Tu teins ta barbichette, Mike. Quoi ? Tu teins ta barbichette. Arrête, je teins pas ma barbichette. Ouais, c'est cacao de minuit, je reconnais la couleur. Marcus, arrête ces conneries. Alors, c'est tout pas suite. Cacao de Allez, minuit. Va jouer. Laisse-moi te demander un truc. Tu veux qu'on se souvienne de toi pour tes t-shirts serrés, ton score de Maccabée ? Tu sais pas que la famille, c'est tout ce qui compte. Hé, hey, salut, grand-père. Rita. Oh non, grand-papou. Appelle-le grand-papou. Grand-papou. Ouais. T'as une photo, grand-papou ? Ah, tu sais que j'en ai une tonne. Montre-moi. Tiens, regarde. Oh, bon sang, ses oreilles! Ouais, c'est mon petit-fils. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cosa tan hermosa. Il est adorable. En fait, félicitations, lieutenante. J'ai su que Howard t'avait promu à la tête d'Amont. Waouh, félicitations. C'est quoi, Amont? Les opérations policières avancées de Miami. C'est une équipe restreinte spécialisée en nouvelles techniques d'enquête. Pour remplacer les dinosaures comme nous. Ou les instruire, peut-être. Bravo, Marcus. Je suis très heureuse pour toi. T'es gentil. Imbécile. Quoi ? Elle est parfaite pour toi. Super intelligente, confiante, ambitieuse. Elle était pas la bonne, c'est tout. Tu sais ce qui t'attend, Mike ? Tu vas mourir seul et triste dans ton coin. T'es seulement jaloux. T'es marié depuis combien de temps ? 20 ans ? 26 ans. Sois bien honnête. T'as pas baisé depuis combien de temps ? Ça ne te regarde absolument pas. C'est ce que je disais. Combien de femmes géniales tu vas laisser tomber ? C'est vrai, t'as jamais manqué de sexe, mais est-ce que t'as déjà été vraiment amoureux ? Bien sûr. C'est vrai, j'ai déjà été amoureux. Une fois. C'était il y a vraiment longtemps. Tu me l'avais jamais dit. Je te dis pas tout ce qui se passe dans ma vie. Tout ce que t'as besoin de savoir, c'est que je vais pourchasser les criminels jusqu'à ce que j'ai 100 ans. Si j'étais toi, je me vanterais pas de mes talents en poursuite après ce qui s'est passé à l'hôpital. À l'hôpital ? De quoi tu parles, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital ? Quand on a couru pour aller voir le bébé, je t'ai battu à plat de couture. Et je sais que t'as pas fait ça uniquement pour m'admirer derrière, Mike. Une minute, tu dis que tu courais plus vite que moi, que tu m'as battu dans une course. Tu m'as bien compris. C'est ce qu'on va voir. Y a rien de plus triste que deux vieillards qui vivent dans le passé. Oh, hé, hey, pas d'étirement. C'est tiré, c'est triché. Vous misez sur qui, capitaine ? $50 sur un ligament déchiré. Allez, mon vieux, qu'est-ce que tu veux miser là-dessus ? Si je gagne, c'est fini, on jette l'éponge, on remet nos insignes et on prend notre retraite. Très bien, et quand je vais gagner, tu vas arrêter de parler de ta stupide retraite. On va continuer de travailler jusqu'à la fin. Mauvais garçon pour la vie. Je remplacerai garçon par homme d'âge mûr. À votre place, j'appellerai déjà l'ambulance. Il va avoir besoin d'une perfusion et d'oxygène. C'est plutôt lui qui en aura besoin. Ok. À vos marques, prêts, partez ! Allez, Marcus, tu peux Allez, arriver. Arrête de l'enviner. Oh, je t'ai perdu. Allez, rattrape-moi. Je ne vois plus, mon Dieu. Appelez les secours! Howard, j'ai un agent blessé. On est sur Ocean Drive, dans la section des 700. Il est blessé par balle. Accroche-toi. Hé! Merde! Écoutez-moi, le tireur est dirigé vers le sud. Appelez les secours! On est sur Ocean Drive. Je leur conduis contre aussi qu'il y ait de moi. Écoutez-moi, quitte les rues. Appelez une ambulance. Envoyez vite l'ambulance.
Eh mon Dieu, c'est moi, Marcus. J'ai été très choyé par vous ces derniers temps. Je sais que je suis pas allé à l'église depuis longtemps. La dernière fois, c'était sans doute à Pâques. Et pour être honnête, j'étais pas très attentif. Pas parce que j'ai perdu la foi, mais parce que... Parfois, j'ai honte de moi et des trucs que je fais pour le boulot. Vous avez dit, tu ne tueras point. Mais tous ceux que j'ai tués étaient des criminels, sans exception. Vous savez, Mike n'a pas encore pleinement vécu sa vie. Il n'a pas de femme, pas d'enfant. Alors je vous en supplie, ayez la bonté de lui donner une dernière chance, mon vieux. Vous savez, c'est mon meilleur ami, mon frère. Et si vous l'épargnez, je vous fais la promesse de ne plus jamais commettre le moindre geste violent. Des coups de feu tirés d'une motocyclette ont laissé un célèbre policier de Miami-Dade dans un état critique. Des témoins ont entendu des coups de feu et ont vu une motocyclette noire. L'enquêteur Mike Lowry est toujours dans un état critique. Très bien. Montrons au capitaine ce que nous avons jusqu'à maintenant. Kelly, l'analyse balistique. Les balles qui ont blessé l'agent Lowry sont des SS-190. Le P90 de Herstal utilise ce calibre. Mais ces balles étaient de 5,7 par 28, subsonique sur mesure. Je veux savoir qui a fait ces balles. On surveille Fort Chan pour repérer d'éventuels trafiquants d'armes sous la loupe du FBI. Mike est comme un fils pour moi. Je veux retrouver cette ordure. Cette affaire me tient à cœur aussi. Je veux qu'on exploite toutes nos ressources, d'accord ? Te dije muy claro que Lowry el que se moría después, hasta el último. Yo soy el que está aquí. Yo aprendí cómo manejar las cosas, ¿está bien? Tú me entrenaste toda mi vida, mamá. El Butte Poli era una amenaza, los otros no son nada. ¿Me escuchas o no? Porque quería que él viera morirse a los demás, por eso. Nada más termínalo. ¡No me vuelvas a desobedecer! Rich gangsters to the left, trap gangsters to the right. Le plus impitoyable. Everybody throwing money. Everybody throwing money. Money fight, money fight. Money fight, money fight. You want to throw some honey on me? That's the way it's gonna be. You wanna fuck with JC too? And I ain't trying to be. Trois tueurs à la retraite. Rodrigo Vargas a été tué par balle cet après-midi. To the left, trap gangsters to the right. Gangsters to the right. Everybody throwing money. Everybody throwing money. Money fight, money fight. Money fight. La DEA est en deuil du docteur Jack Weber aujourd'hui. Weber était enquêteur à la police scientifique de Miami depuis une vingtaine d'années. Dans un autre homicide ayant toutes les apparences d'une exécution, le juge Léon Florentin a été tué par balle à l'extérieur de sa salle d'audience mercredi. La guerre contre les autorités policières continue. Trois autres membres des forces de l'ordre liés à notre affaire ont été tués. Le tueur a déclaré la guerre à la loi. C'est le même gars qui a tiré sur Mike. Comment savez-vous ? Des caméras de surveillance, des témoins et des marques de pneus prouvent que la même moto noire était sur les lieux.
Nous vous remercions d'être venus aujourd'hui. C'était très important pour la famille. Et je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Il faut vraiment que j'arrête de pleurer autant. Hé, vous êtes super. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du premier discours. Laissez-moi vous présenter l'enquêteur Mike Lowry, que la famille a surnommé Oncle Mike. Merci. Tout d'abord, Reggie, c'est vraiment incroyable que tu sois encore là aujourd'hui. Je me souviens de ton premier rendez-vous avec Meghan. Et croyez-moi quand je vous dis que Marcus et moi, on a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour que tu ne reviennes jamais. Et l'amour, c'est fort et c'est difficile. Croyez-moi, votre relation aura des hauts et des bas. Et ton père et moi, Meghan, on a survécu à des tempêtes plutôt impressionnantes. On a un mantra qu'on a appris à se répéter dans les moments difficiles et j'ai l'impression que ça nous a rapprochés chaque fois. Et aujourd'hui, j'aimerais le partager avec vous. On roule ensemble. On meurt ensemble. Mauvais garçon pour la vie. Non. Non quoi? Tu le sais très bien. À la minute où j'ai su que tu respirais toujours, j'attendais que ce moment se produise. Regarde-moi, Mike. Non. Vous savez même pas ce que je sais, je te connais, je sais ce que tu vas dire. Et Amo s'en occupe. Amo. C'est une blague. Amo, ne le prenez pas mal, mais on dirait les membres d'un groupe de musique pop pour adolescents mais armés. Ils n'ont pas la moindre piste. Comment tu sais ce qu'ils ont? Bah, ils ont une piste. Et c'est quoi? Ils en ont une. Laquelle? Les balles qui ont été retirées de ta carcasse ont été faites sur mesure pour le Herstal P90. Amo va retrouver le trafiquant qui les a confiés à ton tireur. Comment? Avec l'aide de méthodes d'enquête rigoureuses. Écoutez, capitaine. Monsieur. Monsieur. T'es vraiment désespéré. Mais c'est inutile. Mike, tu peux pas enquêter sur une affaire qui concerne... Alors, dans ce cas, laissez-moi enquêter sur l'affaire Farkas. Non! La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que les affaires internes viennent foutre leur grand nez dans nos dossiers, t'as compris? Tu connais les règles. Diable, les règles, capitaine! Je vous en prie. Laissez-nous enquêter, Marcus et moi. T'as parlé à ton partenaire récemment? T'as pris ta retraite? C'est le mariage de ma fille, Mike. On est obligé de parler de ça maintenant. Ouais. Je t'ai dit que je prenais ma retraite. Mais quoi? Non, attends. On a parié, t'as perdu. Et maintenant, tu veux reculer? T'as oublié mauvais garçon pour la vie? Ouais, pour la vie. Ça ne tient plus, t'es décédé. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? T'as été réanimé, Mike, 3 fois. Marcus, écoute. Le connard qui m'a fait ça m'a volé quelque chose. Et je veux le récupérer. Ouais. Et qu'est-ce qu'il t'a pris, Mike? T'es encore en vie. Tout ce qu'il t'a volé, c'est ta réputation. L'invincible, Mike. Mais je t'ai vu en sang sur le sol. T'es humain, comme tout le monde. Ouais, et il va saigner lui aussi. Crois-moi, Mike. Si t'essaies de te venger, quelqu'un va y laisser sa peau. Ouais, c'est bien mon intention. Cette ordure m'a troué la poitrine. Et tu remplis tes blessures de haine, Mike. Écoute... Je crois que tout ça est arrivé à cause du karma, mon vieux. C'était un signe. C'était le signe que je dois régler mes comptes, mon vieux. Tu veux que je me retire maintenant, que je le laisse s'en tirer? Régler tes comptes? Mais quel âge tu as, 20 ans? Au contraire, il faut que tu lâches prise, mon frère. Tu sais quoi? Rita m'a appelé tous les jours quand t'étais à l'hôpital. Tu pourrais avoir quelque chose avec elle, un avenir.
Mon avenir consiste à retrouver ce sale fils de pute. Eh bien, c'est pas le mien. Ok. Dis-moi si j'ai bien compris. Alors, un salaud décide de me plomber le cul en pleine rue. Et t'as pas l'intention de réagir. Tu vas abandonner. T'as un sale culot, tu sais. J'ai jamais quitté ton chevet. J'ai essuyé la bave qui te coulait sur le menton. Alors fais attention à ce que tu dis parce que tu sais rien. Ok, ça va. Ok, mon vieux. Écoute, Marcus, je te le demande. Je t'en supplie, mon vieux. J'ai besoin de toi. Mauvais garçon. Une dernière fois. Non, Mike. La Santa Muerte no le iba a dejar morirse sin sufrir todo lo que hemos sufrido nosotros. No lo mates hasta que yo te diga. Va a sufrir. Algo pequeño para ti. La vidéo d'une fusillade impliquant un enquêteur de Miami a fait surface en ligne. Elle est devenue virale en quelques heures à peine. Elle est d'abord apparue sur des sites illégaux, mais a rapidement gagné les médias sociaux populaires. Les autorités croient que le tireur a lui-même publié la vidéo. Trop tard. T'as perdu tes réflexes. J'avais encore la clé. Qu'est-ce qu'il y a ? Howard m'a dit que tu voulais prendre part à l'enquête. C'est une très mauvaise idée. Selon qui ? Michael. On t'a tiré dessus. Ouais, tout le monde me le rappelle constamment. Ah oui, et pourquoi selon toi ? Hein ? Oh, t'es ma psy maintenant. Tu dis toujours ça quand tu veux changer de sujet. Non, je dis ça seulement quand tu commences à jouer à la psy. Écoute, c'est le genre d'enquête qu'Amo pourra mener à bien. Tu dois me faire confiance, c'est tout. Oh, je t'en prie, quoi ? Pourquoi t'insinues toujours ça ? Cette histoire n'a rien à voir avec la confiance que je t'accorde. Ah non ? Non. T'es rétabli au moins ? Ouais, je vais bien. Ouais ? Ouais. Merde, Rita ! T'es sûr que ça va ? Rita, ça va, arrête ! Hé ! Rita ! Tu me feras pas avaler tes conneries. Si tu te mêles de ça, tu vas faire des erreurs qui pourraient te coûter cher. Hasta el fuego. Hasta el fuego ? Mais d'où ça sort ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Jusqu'à ce que tu brûles ? Que tu meurs, peut-être ? Tu me connais assez pour savoir que tu peux pas me demander de laisser tomber. C'est justement parce que je te connais que je le demande. Parce que je tiens à toi. En tant qu'ami. Laisse-nous régler ça. Thank you.
Alexa, baisse le volume. Désolé, mon amour. Excuse-moi. Ça te dirait d'aller au spa? C'est la voiture de Manny? Ouais. Où est Manny? À l'arrière. Qu'est-ce que tu fais là, mon vieux? J'ai l'impression de voir un fantôme. Tu sais, tout le monde dit que t'es mort, enfoiré. Il faut que je te montre un truc. Tout le monde parle de toi. Il faut que tu changes de carrière et vite. Viens travailler pour moi chez Manny. Tiens, regarde. Tu te fais exploser la gueule. Et devine quoi? Le monde entier a vu la scène. Ah, c'était pas normal. Je sais que tu fais une grève comme ça, vieux. Je sais que t'es censé me faire des droits. Ça devrait pas se passer comme ça. T'es censé me poser des questions et après moi je te réponds. Va te faire foutre, enfoiré. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as éclaté la main. Estal P90 sur mesure. Qui les fabrique? Mike, tu sais que je fais plus ce genre de truc. Oh, c'est vrai? Ok. Mon erreur. Mike. Calme-toi, avec tous ces vegans à Miami, tu veux me faire croire que ce sont les côtes de porc qui ont payé ta voiture de rêve dehors? Je t'en reste, Manny. Tout ce que je veux, c'est m'occuper de ma famille. Oh! Oh, merde! C'est pas vrai! T'as vraiment mis du gras de porc sur mon veston? Désolé, Mike. Désolé. Non! Mon cœur grincé! C'est le gars que tu cherches, Booker Gracie. Tu voulais son nom, le voilà. Yo, Mike. Mike. Yo, Mike. Enlève-moi ces menaces. Booker Gracie, le seul trafiquant de Miami qui fait du sur-mesure pour le type d'arme qu'on recherche. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je sais, capitaine, je suis pas censé enquêter sur ma propre affaire, je connais les règles. Mais ce trou de cul a publié une vidéo de lui qui me tire dessus. Je l'ai vu. Alors, soit je me fais justice moi-même, soit vous me mettez dans l'équipe. Soit je te tue moi-même. Foutu merde! Foutu, foutu merde! Admettons que je fais appel à toi comme consultant et que tu décides d'en faire à ta tête, tu peux même pas concevoir le merdier inimaginable dans lequel tu me mettrais. Je pourrais dire adieu à ma montre plaquée or et à ma retraite confortable. Il faudrait que je mette en péril tout ce que j'ai acquis, un peu comme si je me tenais à côté d'un énorme précipice que j'étais juste au bord à chanceler. Vous voulez dire chanceler? C'est ce que j'ai dit. Et si je tombe, c'est à cause de toi. Ça va, je crois que j'ai compris. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il va nous donner un coup de main. Ouais, oh, non, je veux pas qu'il travaille pour moi, capitaine. Mais non, c'est pas le cas. C'est un consultant, c'est toi la patronne. Oh, pitié, mais, écoutez, je sais que vous vous êtes déjà fréquenté, mais restons professionnels. Professionnel? Je crois qu'il y a que moi qui le suis en ce moment. Ce n'est pas un groupe de discussion, ma décision est prise. C'est une mauvaise idée, capitaine. Il va se mettre le nez dans cette affaire de toute façon. Avec ton équipe, on pourra l'avoir à l'œil, on le contrôlera. Je suis là, à côté de vous. Mike va vous conseiller et vous observer. Point final. Vous avez du nouveau? On a capté des infos. Le trafiquant qui aurait fait les munitions de Herstal prépare une autre vente. Booker Gracie. Waouh, vous savez que ces renseignements sont confidentiels? Je n'ai rien dit. C'est lui qui me l'a appris. On dirait que mes vieilles méthodes fonctionnent toujours. Tu vas tout gâcher. C'est magnifique. Voilà ce qu'il faut faire, travailler ensemble. Vous faites déjà une très belle équipe. Une vidéo, selon toute vraisemblance. Tout le monde? Voici l'enquêteur Michael Lowry. Il se joindra à nous à titre de consultant uniquement. La police n'a aucun suspect. Heureux de vous rencontrer, moi aussi. Ravi de voir que vous vous êtes rétabli. Super, je me sens beaucoup mieux maintenant. Tellement désolé pour cet accueil, Michael. Vous êtes en forme, Michael.
Écoutez, elle a décidé de m'appeler par mon prénom complet, mais vous, vous pouvez m'appeler Mike ? Ouais, bien sûr. Mike. Compris, Mike. Aucun problème, Michael. Ah, t'es un petit comique, toi. Ouais, il en faut bien. Ouais, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ça veut dire quoi, arrête, ça ? C'est Mike Lurie. Ok, sois gentil. Chargez le camion ! Oh ! Tout compte fait, je crois qu'on va arriver à bien s'entendre. Non, non, on prend pas celui-là. Aujourd'hui, c'est le pince mobile. Attendez de voir l'intérieur. Un coup de main, le vieillard ? Va jouer ailleurs, le petit. C'est pas la peine d'essayer d'être cool. Ok, vous êtes beaucoup trop sérieux. Les descentes sont censées être amusantes. C'est comme aller en classe verte avec des armes. On fait pas une descente, mais de la surveillance. De la surveillance, ok. Donc on va seulement être témoin du crime. On va filmer la transaction, l'arrêter et le menacer d'une longue peine. Ensuite, on va le faire parler et il va nous révéler tout ce qu'on veut savoir. Ou, étant donné qu'il est déjà ici et qu'on l'est nous aussi, on pourrait tout simplement l'arrêter. D'accord, merci de ton opinion. Ok. Écoutez, Booker Gracier est le gars qui a vendu les balles qui ont blessé gravement Michael. Tu crois que tu pourrais arrêter de m'appeler Michael devant tout le monde ? C'est ton nom. Très bien. Détendez-vous et libérez votre esprit. Utilisez la puissance de Dieu pour insuffler aux autres la paix et la tranquillité en pénétrant leur âme avec votre cœur. Nous y voilà. Excusez-moi, monsieur Lurie. Vous pouvez vous déplacer un peu ? Bien sûr, vas-y. Alors, t'es le technicien, c'est ça ? Dis donc. Il te laisse vraiment dans le camion ? Ouais, je suis plus à mon aise, ici. Très bien. J'envoie Big Barry. C'est pas toi, Big Barry ? Non, c'est notre drone de surveillance. Ah, alors c'est lui qui fait le travail. C'est parti, oui. Il y a seulement Barry qui s'amuse, on dirait. Voilà, les camions noirs. Ce sont les H-77. C'est qui ? Ces gars ne sont clairement pas d'ici. Ils veulent étendre leur territoire. J'ai besoin d'une vue grand angle. Tu peux zoomer ? Booker leur vend une caisse de 5,7 par 28. Et voilà Booker Gracier. C'est ce qu'on voulait. Le sang ? Les voilà. Pointez votre arme et ces balles transperceront n'importe qui ou n'importe quoi. Efficacité garantie. Il est juste là, Rita. Tu peux l'arrêter ? Non. Le risque de dommages collatéraux est trop grand. Allez, on fonce. Attend. T'es la patronne. Ouais, je sais. C'est ce que j'ai dit. Ouais, je te le confirme. Ok. Vous sortiez ensemble, pas vrai ? Si on veut. Montrez-moi l'argent. Allez, montrez-le-moi. Minute. Attends, recule. Juste là. Regardez. Montrez-le-moi. Le sac qu'il tient est vide. Regardez bien, il n'y a pas d'argent dans le sac. C'est un piège. Ils vont le tuer. C'est un piège. Michael. Booker doit rester en vie. Michael, reviens ici. Chut. Kelly, vas-y. Allez. Caméra individuelle. Michael, ne fais rien avant que le reste de l'équipe soit prêt. Ça va, on peut compter l'argent ? J'adore cette chanson. Monte le volume. Allez !
m'entends? Ok, Kelly, je vais te demander de me couvrir. On vient vers toi. Écoute, tu veux vivre, tu restes avec moi. T'essaies de te sauver et je te fais la peau. Je compte jusqu'à trois. Prenez le camion! Prends les caisses! Un, deux, trois. Il est l'acheteur. Oh, merde. Booker. Michael? Appelle une ambulance tout de suite. Il a besoin d'aide. Booker. Michael. T'en fais pas, je vais m'occuper de la paperasse. Calme-toi. Fais seulement ce que je te demande pour une fois, merde! Il est mort! Ay, Dios mío. Est-ce que c'est Diego ou son jumeau? C'est son jumeau. Carmelita, non. Carmelita, comment tu vas faire ça, Carmelita? Ay, comment est-ce possible? Non, pas d'essai. C'est qui? Yo, Marcus, c'est Carver Rémy. Écoute, j'ai pas le temps de te parler. Ne me fais pas perdre mon temps, Carver. Je suis occupé. Je t'en prie, mon vieux, c'est important. Surveillez mon bébé, d'accord? Marcus! Je suis à la retraite. Les seuls rats que je côtoie sont dans mon sous-sol. Oh, Elle a tué les jumeaux. Ah, merde. Quelqu'un qui a tiré sur Mike essaie de me tuer. Quoi? Je suis très sérieux. Il y a un gars sur une moto noire qui me suit. Celui qu'on voit à la télé, c'est lui. Arrête tes conneries. Marcus, c'est ce que je te mentirais. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que t'es plus notre informateur. C'est bien lui, je te jure. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Que tu me protèges pour que je reste en vie. Je t'en prie, mon vieux, servez-vous de moi comme un pas. Vous voulez ce gars? Il me colle au cul. T'as parlé à Mike? Non, je t'ai appelé, toi. Coin de la 19e et de l'avenue Miami, 3e étage. Je t'attends. J'ai dit 9-1, réponds, connard. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit conseille-les, j'ai dit observe-les et... Regardez-moi un peu cette merde, c'est un vrai carnage. Mais j'ai pas fait tout ça, Capitaine, ils se sont tués entre eux. Minute. Alors, t'as tiré sur personne? Bon, d'accord, j'ai tiré sur quelques gars, mais je vous jure qu'ils avaient commencé avant moi. Qu'est-ce que... Enfin, Mike, tu me l'as promis. Non, c'est tu faux, m'as fait une promesse. Je vous ai bien promis. J'ai dit que je vous imaginais chancelant au bord d'un précipice ou quelque chose du genre. C'est une promesse, non? Tu devais observer, c'est tout. Oui, et c'est ce que j'ai fait. Ok, capitaine, regardez, le sac est vide, d'accord? Il n'y a pas d'argent. Le gars l'a soulevé et s'est gratté le nez. C'est là que j'ai vu qu'il ne pesait rien. Très impressionnant, monsieur. Elle, je l'aime bien. Si j'étais pas intervenu, Gracie allait se faire descendre. C'est toute une chance, parce qu'on vient de ramasser ton gars et il a pas l'air très en forme. Capitaine. Bien joué, Mikey. Ok, écoute le genou, ça suffit. Je vais te donner un petit conseil. Laisse les adultes faire leur travail, d'accord? Épargne-moi tes conseils, papy. Je t'ai rien demandé. Écoute, c'est pas parce que j'ai baisé ta mère que tu peux m'appeler papy. Baiser ma mère. Ça suffit. Ouais. Calmez-vous, arrêtez, compris. Vieux débris. Un peu ça va jouer plus loin. Disparer de ma vue. Allons-y. Ou je vais te faire avaler tes petites dents bien blanches. Frappe-moi. Je travaille dans une garderie ou quoi? Mais c'est allez, lui. On avance. C'est la chance. J'avais le temps aujourd'hui. Du calme, on avance. Ouais, je fais claque. Excusez-moi. C'est bon, vas-y. Vous voulez... Vas-y. Non, je... ça va. Tu peux y aller. Quoi? Quoi, le lâcheur? Oh, c'est encore pire que je croyais. Où est passée ta voiture? Les filles l'ont prise pour aller au spa. Est-ce que ça va? Oui, très bien. Et toi, ça va? J'ai la super forme. Ne le prends pas mal. Mais tu pourrais peut-être rouler
à la limite de vitesse. On s'est fait doubler par une Prius. Et ça, c'est quoi? T'as rangé tes couilles là-dedans, c'est ça? Eh, hey, tu sais quoi? Ni l'une ni l'autre de mes couilles n'a envie d'être ici avec ta sale gueule. T'as emmené le bébé enquêter sur un meurtre avec nous? On va le laisser au spa en chemin. On va le laisser au spa en chemin. Carver a la trouille, merde! Il attendra pas toute la journée! C'est sur notre chemin, Mike. Pendant que j'y pense, pourquoi le gars qui m'a tiré dessus en aurait après un cafard comme Carver? C'est ce que tu vas découvrir grâce à moi, enfoiré. Oh, désolé pour les gros mots, petit Marcus. Grand papou devrait pas parler comme ça. Mais quand je suis avec des gens comme Mike Laurie, c'est plus fort que moi, merde. Oh, désolé, c'est encore sorti tout seul. Allez, emmène le petit. C'est hors de question. Alors tu sauras jamais qui a essayé de te tuer. Si j'entre là-dedans, je sais très bien qui va me tuer. Teresa Burnett. Arrête tes conneries, prends le bébé et vas-y. Mike, Carver à la trouille. Il attendra pas toute la journée. D'accord. J'y vais. Non, Mike! Attends! Dis à Marcus que je vais l'assassiner! Vite, fonce! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Allez, fonce! Elle fonce, fonce. Après... Oh, merde! Mike, tu connais Teresa depuis longtemps. À combien t'évaluerais sa colère? Quoi, sur une échelle de 1 à 10? 10, ce serait par exemple... Quand j'ai rompu avec ta sœur. Non, là c'est moi qui étais à 10. Ouais. Et pourquoi tu ramènes ça sur la d'accord, table d'accord, maintenant? D'accord, je sais seulement de... Non, Teresa, à 10, ce serait plus... Comme moi, la fois où t'as renversé un frappuccino dans ma Ferrari. Ouais, ouais, exact. Ça, ouais. C'est 10. Dans ce cas, je dirais qu'elle était à 9. À 9? Ouais. Non, Dush. Fais chier. Je pense bien que ce sera 10. J'ai oublié de lui donner les lingettes humides. Oh, tu es foutu. Mais pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Yo, le feu était jaune. T'oublies qu'on est pressé. C'est pas... Quoi? T'as honte d'être vu dans cette voiture? On a Mike Laurie ici. Mike Laurie dans une Nissan Quest. Tout le monde s'en contrefiche, Mike. C'est mon chauffeur Uber. L'important pour combattre le crime, c'est d'avoir une longueur d'avance sur les criminels. Tu vois, on ne s'arrête pas pour les pigeons, on continue de rouler et ils finissent par s'envoler. Dis-moi que c'est le bruit d'un coffre-fort ou d'un piano. Oh! C'est la voiture de Teresa! Et ce gars-là, c'est Carver Remy! Qu'est-ce qu'il dit que c'est Carver Remy? Ça peut être n'importe qui! Surveille la porte avant! Mais je suis à la retraite! Je suis un simple civil! Oh! 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 Oh. C'est un signe! C'est un signe de Dieu! Oh! Oh! Oh merde! Elle le sait! Elle sait toujours tout! Oh! Vite, j'ai un 315 à l'hôtel Broadmoor. Merde! Mon Dieu, je sais que je vous ai déjà demandé d'aider Mike. Mais il se fait vraiment botter le cul. Seigneur, envoyez-moi un signe. Mike!
ça va? Mieux que toi quand Teresa va voir l'état de sa voiture. Lo tenía ahí mismo. No entiendo, mamá. Armando. Una bala es misericordia para ese hijo de puta que te quitó a tu papá. Tiene que sufrir, ¿no? Y entonces se muere. ¿Entiendes? Sí. Vas-y, fonce, Dali! Donne-leur envie de jouer au soccer! Faut que tu relaxes, Mike. Ouais, je sais. Non! Si elle te pousse, ne laisse surtout pas faire! Alors, c'est l'histoire d'un bouddhiste, tu vois? C'est un genre de d'ermite qui vit seul dans les bois. Il descend une longue route sinueuse lorsque, soudainement, arrive un autre gars. À dos de cheval, et il fonce droit sur lui. Il est bouddhiste, lui aussi, je pense. Enfin, j'en suis pas totalement sûr. On va dire qu'ils sont tous les deux bouddhistes. Oui, d'accord. Alors, le gars, sur le cheval, avance en ligne droite devant lui à une telle vitesse que l'autre gars doit libérer le passage s'il ne veut pas se faire piétiner. Alors, il se relève plein de poussière et il dit « Hey, tu veux bien me dire où tu vas comme ça ?» Et le gars sur le cheval lui répond « Je l'ignore! Demande au cheval !» Demande au cheval. Cool. Exactement. Cette expression-là, celle-là, je la connais. J'avais la même expression. Le cheval représente toutes nos blessures, nos frayeurs et nos angoisses. Et elle nous pousse à foncer tête baissée à 200 km à l'heure, au point où on n'arrive plus à répondre à une simple question. Où est-ce que tu t'en vas? Où est-ce que tu t'en vas, Mike? Non, Cali! Fais pas de passe! Tire au panier! Famille, c'est une malédiction. Mike, tu dois reprendre le contrôle de ta vie. Tu dois reprendre les rênes si tu ne veux pas que ton cheval te conduise droit dans le ravin. Viens manger à la maison. Cali serait heureuse de te voir. Je te parlerai de bouddhisme. J'ai un livre plein de belles histoires. Mais c'est vous qui allez cuisiner? Certainement. Ah, d'accord. On commandera de la pizza. Oui, c'est une très bonne idée. Bingo. Restez pas là. Reculez. Passez-vous vite. Derrière la voiture. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? T'avais ta chance. Pas d'innocent. Tu sais que t'es complètement fou. 315, coup de feu. Policier atteint. Parc José Marti. Vite, on a besoin d'une ambulance. Ici l'enquêteur Mike Lowry. Le capitaine est touché. Le capitaine est touché.
T'avais raison. T'as dit que si j'essayais de me venger, quelqu'un y laisserait ça. Dernière fois. Une dernière fois. Se han ido. ¿Ya es hora? Sí, mátalo. Pero antes de que lo hagas, quiero que lo veas a los ojos y le digas algo de mi parte. ¿Qué, mamá? J'ai jeté un coup d'œil au rapport financier de Booker. Toutes ses compagnies à numéro ont le même comptable. Picante Jenkins, CPA. Ouais, je connais pas beaucoup de Picante. C'est juste une petite visite de courtoisie. Ouais. Wow! C'est quoi tout cet arsenal? De quoi tu parles? Mike, t'as pas besoin d'un lance-grenade. Non, mais moi j'en veux un. Ce n'est qu'un comptable, Mike. Écoute, Mike, je veux pas qu'on entre là comme ça. Comme quoi? Écoute, toute notre vie on a été des mauvais garçons, ok? Il est temps qu'on devienne des hommes bien. Tu veux bien me dire qui voudrait chanter cette chanson? Good man, what you gonna do? Bah, peut-être que ça marcherait si tu la chantais avec un peu plus de conviction. N'importe quoi. Bon, n'oublie pas, une visite de courtoisie. Ouais, toc toc. Oh. Mike! Mike! Police de Mimi, au sol! Mike! Couchez-vous! Mike, dites vous tristez! Attends, elle est où la visite de courtoisie? Hé, t'as cassé ma porte! T'as cassé ma porte! Monsieur, on file juste pour la porte, ok? Un peu de Gorilla Glue et votre porte sera comme neuve! Hey, où est votre mandat? Vous allez vous mettre à genoux avec les mains derrière la tête sur le champ! Monsieur, arrêtez de bouger ou je vous tire une balle dans le visage! Non, c'est faux! Oui, c'est vrai! Mike, on a affaire à un comptable. On veut discuter dans le calme. Tu veux engager une conversation avec cette armoire à glace complètement défoncée? Mike, laisse-moi faire, ok? Je m'en occupe. Je vais pénétrer son âme d'une seule parole, de mon cœur. Mon Dieu. Quoi? Ouais. Regarde le maître à l'œuvre. Hé, pourriture! Je vais t'enfoncer mon poing dans le cul. Oh, c'est dégueulasse. Écoutez, je reconnais qu'il s'agit d'une situation difficile. T'approche pas de moi. T'approche pas de lui, Marcus. Tout ce qu'on veut, c'est les reçus de votre client. Quoi? Booker Gracie. Ses dossiers. Tu crois que les paroles de ton cœur l'ont touché? Tu sais parfois bien agir en plus de souffrir. Alors, tu vas tendre l'autre jour, Marcus? Lâche-moi! D'accord. Monsieur, je comprends que vous ayez peur. Vous savez, on a tous peur. Il faut simplement... Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que tu devrais prendre la relève. Ouais, moi aussi. Hey! Martin Luther King vient de céder sa place. T'as maintenant affaire à Malcolm X et je vais prendre tous les moyens nécessaires. Ben, je te connais, toi. T'es le flic qui a reçu une balle. Eh ben, c'est pas ton année, hein, mon sou. Si t'avais pas cette arme et ce badge, je ferais qu'une seule putain de bouchée de toi. Oh, attends, tu veux dire que tu te retiens seulement à cause de ça, hein? Ouais. Oh.
Amène-toi, mon gars. Rien à gauche. Mets-le-le. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Je les ai appelés. Pardon? Je croyais qu'on jouait les mauvais garçons une dernière fois. On joue une dernière fois, oui. Mais c'est la version remasterisée, Mike. On travaille avec Amo maintenant. Arrête tes conneries, ok? T'as 3 secondes pour l'enlever avant que je le morde. Enlève ton putain de doigt de mon visage. Alors dites-nous, le juge, le procureur, l'informateur, le capitaine et toi, qu'est-ce que vous avez en commun? Plusieurs centaines d'enquêtes, d'opérations... Il y a en fait 847 affaires qui relient toutes les victimes. Ok, qui parmi ces gens veut te tuer? Qui veut pas le tuer? Ça, c'est seulement la liste des criminels. Je méfie toute personne qui a pas envie de tuer Mike. Tu peux même ajouter mon nom. Ça va, on l'a compris, Marcus. Merci beaucoup. T'as obtenu quelque chose du comptable? Ces dossiers sont bordéliques. Tu m'étonnes. Mais j'ai réussi à accéder à son gestionnaire de mots de passe. Et alors? Les réseaux sociaux. J'ai accès à tous ses comptes. Boum. Je vois beaucoup de têtes d'affreux, mais pas beaucoup d'indices. Passe tous ces visages dans notre système. Tout de suite. Elle a été prise 3 jours avant qu'on me tire dessus. Attends, reviens à la dernière photo, la chaîne. Ouais, lui, tu peux zoomer? Zuelo. C'est qui, Zuelo? Lorenzo Rodriguez, surnommé Zuelo. J'ai déjà été son coach de mini-basket avant qu'il choisisse de devenir un voyou. Il jouait bien, mais j'ai dû le retirer du jeu pendant la finale. T'as retiré un enfant de 10 ans de la finale de basket? Ouais, le petit enculé m'avait traité de sale con. Vous avez gagné au moins? Oh que non, c'était notre joueur vedette. On a perdu par 40 points, mais j'ai vraiment tenu mon bout. Ok, il avait pas l'esprit d'équipe. Il avait pas un bon coach non plus. Ah, la ferme. Écoutez, Zuelo vend de la drogue, des armes. C'est un des lieutenants de Taglin. Taglin est mort le soir où Mike s'est fait attaquer. Ouais, ben le lieutenant va devoir se trouver un autre patron. Lorenzo Rodriguez. Pas d'hypothèque, pas même de compte bancaire à son nom. Mais demain, c'est son anniversaire. S'il veut fêter, il y a 3 boîtes pour ces gars-là. Ditto, Ice 45, Zillion. Tu peux accéder aux réservations? Il y en a qui devraient améliorer leur cybersécurité. Ok, Ice 45, Ditto, Zillion. Là, Rodriguez. Boum. Fête ce soir. Zillion, nous voici. Ok, on se retrouve au club à 23h en tenue civile de circonstance. C'est une arrestation seulement. On fait ce qu'on a à faire et on s'en va. Je veux que cette descente s'effectue sans perte de vie humaine. Une descente pacifique, ok. T'as averti les criminels, j'espère? Ce sont des balles inoffensives, en caoutchouc. Croyez-moi, elles vous plairont. Vous pourrez tirer autant que vous voulez. Bad boys, bad boys. What you gonna do when we're coming after you, bad boys? Arrêtez. Je veux plus jamais entendre ça. Ouais, et vous vous trompez dans les paroles. Elles sont très difficiles à mémoriser. Faites plus ça. Ok. Non, faites plus ça. Ça va. Merde, c'est horrible. Vous avez trouvé votre propre chanson. Non mais, je vous ai pas entendu. Imbécile. Arrête avec ça. Tu m'emmerdes avec tes remarques. Je m'en occupe. Bonsoir, les filles. Giorgio travaille ce soir? Je sais pas qui c'est, monsieur. Allez faire la file. Nicole, Paige! Hey oh salut! Vous êtes époustouflantes, les filles. Oh, tellement merci, belles, j'en crois adorable. Pas mes yeux. Voici mon oncle Michael, et lui, c'est son ami, oncle Marcus. Vous pouvez les laisser entrer. Sa femme vient de le quitter. Oh, c'est tellement triste. Ouais. Allez, entrez. Allez-y. Entrez. Oh, dépêchons les enfants. Ça. Allons-y. C'est allez, parti. Vas-y. Oh non. Oh non. Ouais. Ah, ah. T'as entendu? Non, c'est pas vrai. Ouais. Je refuse. Ah, ah. Ouais. Ah, ah. Ouais, ouais. Ah.
repérer notre cible. Deuxième étage. Identité confirmée. L'homme à sa droite a un 55 chargé. S'en tient à notre plan. Kelly, tu surveilles son garde-corps. La vie d'être bougé qui se balance dans les airs, tu dois avoir les fesses drôlement musclées. Écoute, je vais être bien honnête avec toi. J'ai pas baisé depuis très longtemps. Oh. Ouais, oh. Ça fait un bail, je te jure. Ça me donne des idées bizarres. Vraiment bizarres même. Marcus. C'est vrai, j'ai un peu l'impression d'étouffer. Depuis... Marcus, tu sais que les autres t'entendent. Non, il y a trop de bruit. Je suis certain qu'ils entendent rien du tout. Écoute, ça m'arrive d'aller sur Internet. Et là, je vois des trucs vraiment dingues. J'ai vu un homme, Marcus, vraiment jeune. Marcus. Quoi? On entend tout. Oh! Oh! C'était une petite blague de rien du tout! Et vous avez tous entendu? Prenez place. C'est bon. Mike et Marcus, on se voit là-haut. Mike et Marcus, à la droite des escaliers. Rita, à la gauche des escaliers. Tout le monde est en place? Ouais. Prêt. Ouais. Ta robe est magnifique, ma belle. T'as de la classe. Gentil. Ouais. Bougez pas. Attendez. Je peux pas. Je suis ici avec mes copines. Tu peux les inviter, bébé. Je suis pas libre ce soir. Donne-lui un bon coup dans les couilles et finissons-en. Oui, allez, on s'appelle. Plus, bébé. À plus, bébé. C'est à cause de la robe. C'est pas approprié du tout. Tu aurais dû choisir quelque chose de plus discret. Bon anniversaire. Yo, 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 faites du bruit, tout le monde! On a un invité spécial ce soir et c'est son anniversaire. Offrons-lui nos meilleurs vœux dans 3, 2, 1. Bon anniversaire! Quel meilleur joueur! Joueur! You set the chair, bébé! Bon anniversaire, connard! Police de Miami, bouge pas. Get him. Descendez. Prends la voiture, j'en ai besoin. Pardon, monsieur. Hé, attends un peu. C'est une opération policière. Ma voiture, merde. Marcus, reculez. Qu'est-ce qu'on le prend? Merde. Ça sert absolument à rien que je saute du deuxième étage si toi tu décides de prendre les escaliers. Je t'avais dit que je sauterais pas. Zuelo a tourné à gauche sur la deuxième avenue. Tu calmes-toi. Oh, merde. Ouvre ta ceinture. Ouais. C'est une nouvelle habitude, ça. J'ai le foutu flic au cul! Il traverse la 395 vers l'Overtown. Oh, Mike, l'Overtown, c'est non! Zuelo a des alliés ici, des gars dangereux. C'est nous, les gars dangereux. Oh, 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 oh! Oh, merde! Ah, cette fusil de merde au foutu balle en caoutchouc! Il tire des balles de plomb et non des petits pois! Tu peux te ranger sur le côté une minute? J'ai quelque chose à te dire, Mike. Que je me range? Ouais. Tu veux que je me range? Ouais. Ok, super, donne-moi une minute. Je vais voir si Zuelo est ouais. D'accord. Zuelo!
Marcus veut que je me range sur le côté unique. Tu crois qu'on peut avoir un temps d'arrêt? Fais chier, Mike. J'ai un truc important à te dire, merde. Quoi? J'ai fait une promesse à Dieu. À qui? À Dieu. Qu'est-ce que tu racontes encore? Écoute, j'ai dit au Seigneur que si tu te remettais de tes blessures, je ferais plus jamais rien de violent. Eh ben, il savait que tu tiendrais pas ta promesse. La violence fait partie de notre travail. J'ai l'air que tu te trompes, Mike. Notre travail, c'est de protéger et servir. Ça, c'est vrai. Et je vais lui servir une balle en pleine gueule. Comme deux gouttes d'eau à l'homme éléphant. T'as vu ça? Ouais, je le vois. Qu'est-ce que... Arrête ça! Sa grosse bosse m'appelle. Non, touche pas à ça, arrête! Qu'est-ce qu'il faut que je traite? C'est quoi ton problème, merde? Touche pas à ça, enfin! Touche pas à ça, arrête, Marcus! Tu vas te faire exploser, merde! Touche plus à ça! Oh, merde! Merde! Touche pas à la bosse! Encore une fois, une dernière fois... L'Overtown arrive, dépêche-toi. Armand, prête-vous. On a été retardé, on entre dans l'Overtown. Armez-vous. Sale con! Répète ça que je suis un sale con! Swallow, qui essaie de me tuer? C'est facile, tout le monde veut ta mort! Je te l'avais dit, Mike! Olvidate de mi! Matalo! Matalo a l'ostos! Qu'est-ce qu'il raconte? Matalo a l'ostos! Qu'est-ce qu'il raconte? C'est la fin pour vous deux. Ils arrivent, Marcus. Oh merde! Merci, Seigneur! Oh, oh. Pourquoi tu l'as laissé s'enfuir? Tire de suppression! Oh merde! Allez, grave! Il y a un pitbull! Marcus! Ah, ok! Tu veux te faire mordre ou tirer dessus? Allez, bon, dépêche-toi! Oh, dis donc! Qu'est-ce que t'as? On dirait le coffre au trésor d'un vieux plan frustré! Regarde! Une putain de grenade! Mais lance-la! On est quand même pas au Vietnam! Garde-la! Oh, tu fais chier, Mike! Comme une merde!
Revenez en arrière. Les deux derniers mois. Merde. Le Mexique. Qu'est-ce que tu recherches ? Écoute, j'aimerais que tu textes à tous ces numéros la phrase suivante. Hasta el fuego. C'est fait. Très bien. Je m'en occupe, merci. T'en es sûr ? Oui, vas-y. Répertoire des prisons. Santa Maria X-Cocktail.
rechercher Aretha Isabel. S'est évadé le 10 avril 2019. C'est terminé. Quoi ? Ça veut dire quoi, terminé ? Amo, c'est fini. Désolée. Écoutez, je vous jure que tout va s'arranger. Faites-moi confiance. Ok ? Ça va aller. Ça va s'arranger. Mike ? Est-ce que ça va? Je crois que c'est mon fils. Quoi? Il y a 24 ans, avant qu'on devienne partenaire, le capitaine Howard est venu me recruter à l'académie. Personne ne savait qui j'étais. Il m'a envoyé en mission d'infiltration dans le cartel d'Aretas. Sorensen, Weber, Vargas, Carver, toutes ces victimes étaient impliquées dans cette affaire. Le cartel veut se venger. Oui, mais toi, t'es pas relié à cette affaire. Mon nom n'apparaît nulle part. Ils croyaient que je faisais partie du clan. J'étais Ricky Rollins. Benito Aretas est mort, Mike. Il essaie pas de te tuer. Non, je sais. C'est sa femme. Isabelle. À l'époque, j'étais son chauffeur. On est vite devenus très proches. On pouvait parler de n'importe quoi. Il m'a appris à comprendre leur monde. Comment marcher, comment agir. Même comment m'habiller. Elle a créé Mike Lowry. On est tombés amoureux. Es-tu en train de me dire que la seule fois où tu as... Isabelle Aretas, c'était la seule fois. Ça chauffait de plus en plus, la DEA, la TF, tout le monde était prêt. Et je suis passé à un cheveu de faire foirer toute l'opération. Isabelle et moi, on avait décidé de s'enfuir ensemble. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? On l'appelle la bruja. La sorcière. Elle fait des incantations vraiment macabres. Santa Muerte. Et j'ai compris que cette femme était une meurtrière sanguinaire. Alors j'ai pris la décision d'envoyer celle que j'aimais derrière les barreaux pour le reste de sa vie. J'ai choisi la police et c'est ce que je fais tous les jours depuis. Mike, tu t'es tapé une sorcière mariée ? Après tout ce que je viens de dire, c'est vraiment ce que t'as retenu ? Non, mais ça fait beaucoup à assimiler. On croit qu'on connaît bien une personne et au moins, je comprends pourquoi tu t'habilles comme un trafiquant de drogue. Tu veux entendre cette histoire ou non ? Excuse-moi, mais tu sais pas si c'est bien ton fils, Mike. Tu sais pas avec qui cette sorcière baisait. Benito Aretas pouvait pas avoir d'enfant. Isabelle a accouché en prison 8 mois après son arrestation. Hasta el fuego. C'est ce qu'il m'a dit avant que je saute de l'hélicoptère. On a inventé cette expression, Isabelle et moi. C'est même pas de l'espagnol. C'est quelque chose qu'on se disait souvent. Ça voulait dire, on restera ensemble jusqu'à ce qu'on brûle. El traidor ya está en camino. Que todos se preparen. Hecho. Vamos! Es hora! Non, Mike. Marcus, il a le bon âge. Il est cinglé comme moi, impitoyable comme moi, intrépide comme moi. Il est moins bien en pire. Non, Mike. T'es en train de perdre la boule. Tu tires des conclusions trop vite, ok ? Toute cette merde va finir par s'arranger, je te jure. C'est vrai. T'as raison.
Ah, viens là. Oh. Je t'aime, mon vieux. Je t'aime aussi, vieux. Faut que j'y aille, ok? Mike. Mike. Désolé, monsieur, je dois passer. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Et voilà. Mon sac ira très bien, juste ici. Excusez-moi, monsieur. Mon siège est là. Oups, attention à vos orteils. Attention à vos orteils. Désolé, et voilà. Non, Marcus. Je te laisserai pas aller en mission suicide tout seul, Mike. T'as pas à faire ça. Je laisserai personne d'autre se faire tuer à cause de mes histoires. Mike, c'est une bourra. Je parie qu'elle va faire fondre tes yeux dans ta tête de crétin. Elle va faire tomber ta queue. Je veux dire, Pénis, tu devrais te mêler tes affaires de toute façon. Marcus, rentre chez toi. On vole ensemble, on meurt ensemble. Quoi ? Oh non, 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 c'est seulement notre mantra. Tout va bien, c'est pas... je peux comprendre que vous soyez un peu... d'où venez-vous ? D'où venez-vous ? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas le voir, Mike ? Tu vas vraiment mettre ton fils derrière les barreaux ? Non. Non, je vais le tuer. Le tuer ? Tu serais capable de tuer ton propre fils ? Crois-moi, je vais l'envoyer 6 pieds sous terre. Est-ce qu'on pourrait changer de place ? Absolument. Excusez-moi. T'es conscient que tu vas aller en enfer ? Je crois pas en enfer, Marcus. On s'en fout que tu y crois ou non. C'est vrai, si tu tues ton fils, crois-moi, tu vas plonger dans les ténèbres éternelles. Eh ben, j'y suis peut-être déjà, tu sais. J'ai été mort, après tout. Il faut que quelqu'un l'arrête. J'aurais dû me douter que c'était ton fils. C'est vrai, il t'a donné une sacrée raclée, Mike. C'était une raclée plutôt impressionnante, ça tu peux me croire. C'était une raclée effroyable. Mm-mm. D'accord. Mm-mm. Ok. Est-ce que je peux être son parrain ? Tu sais ce que tu peux faire, Marcus ? Quoi ? Fermez ta gueule. Oh, tu veux que je ferme ma gueule ? Oui. Ok, t'as eu un enfant illégitime avec la bruja, dont la seule mission aujourd'hui est de nous faire la peau, nous sucer le sang ou je sais quoi, et je devrais fermer ma gueule. Ouais, ouais, compris, Mike. Comment tu peux baiser une sorcière sans capote ? Mais faut toujours mettre un capuchon, merde. Hé, hey, toi, viens t'asseoir à ma place. Ouais, d'accord. Thank you.
pourrais te présenter des amis. Bonjour. Mike. Bonjour. Et Marcus. Adios, son équipe pour le mien. Ça y est. Tu les as rappelés. C'est Rita qui m'a appelé. Ça va, les gars? Salut. Salut, vous deux. Hola. Je me sens mieux quand ils sont là. Ouais, moi aussi. Oh, oh, d'où sortent tous ces joujoux? De la DEA à Cuernavaca. Si on arrête la femme, il s'attribue le mérite. Si on se fait tuer, il nie toute responsabilité. Vous n'avez qu'à me suivre. Je vais être là-bas. On se rencontre au Palace Hidalgo, un hôtel abandonné à l'extérieur de la ville. Je m'occupe de la faire parler pendant que vous repérez le tireur. Et si elle te tire dessus? T'en fais pas, il va vouloir discuter. On a... des trucs à régler. Écoutez bien, on n'aura pas de temps à perdre. On les capture et on sera de retour chez nous avant l'aube. Dorn, donne-moi une image satellite du bâtiment. Et voilà, on aura une vue détaillée de l'extérieur. Et... de l'intérieur. Hé, personne ne touche au tireur. Il est à moi. Oh ouais, ça tu peux le dire. Décidé de sortir un peu des sentiers battus, hein? Ne meurs pas. Assure-toi qu'on s'en sorte tous les deux. Une menace visible pour l'instant. Je surveille les signaux à l'intérieur et je bloque ceux à l'extérieur au cas où ils font de la contre-surveillance. C'est impossible qu'elle soit venue seule. C'est un cartel, elle a sans doute une armée, un plan d'action. Marcus se dirige vers l'arrière. Marcus, on surveille ta position avec le drone. Toujours rien. Je me rapproche. Hola, Ricky. O mejor te debo de decir, Mike. Hola, Isabel. ¿No estás buscando muy bien? Había una época en la que tocarme te hubiera derretido. Je vais la tuer moi-même. Garde-le. Où est-il? Este era nuestro lugar. Te quería muerto, pero sobreviviste. Tal vez te hice demasiado fuerte. O quizá la Santa Muerte nos quiere decir algo. De nuestro destino que nos viéramos otra vez. On dirait une saleté de telenovela. Yo me hice cargo de esto.
j'ai perdu le signal. Merde. Amo. Marcus répond. Merde. Ils nous ont bloqués. Ils savent qu'on est là. C'est la merde. Je peux plus rien faire. On a bébé Barry sur une fréquence à part. Ahora estamos los dos solos. ¿Por qué no me dijiste que tengo un hijo? ¿Y tú qué hubieras hecho? Cuidarlo. ¿Cómo me cuidaste a mí? C'était censé être une surprise. Une fois qu'on se serait enfui. Je distingue du mouvement tactique. Je vois de 20 à 30 assaillants qui forment un périmètre. Faut qu'on y aille. Il y a d'autres points d'entrée ? Ici. On peut peut-être passer par ce conduit d'air froid. Comment as-tu pu faire ça, notre fils ? Mon fils. Tu lui as dit que j'étais qui, au juste ? Exactement ce que tu es. Un trouillard, un sale traître, y el hijo de puta que nos destruyó. Ne fais pas ça. Allez, on avance, les flics. Tu vois ça ? Lâche tes armes. Allez-y! Je suis prêt! Qu'est-ce que tu vas faire? Hasta el fuego. Wow, wow, wow! Non, pas de fuego! Ça veut dire feu, hey, non? Hey. Non, pas callate! Je ne veux... Non! Vous devez vous parler tous les deux! C'est important ce qu'il a à dire! Suffit! C'est un cotonnard de ma joue! Hé, hey, Marcus! Relax, non. Relax! Mike, c'est le manque de communication qui nous a mis dans cette foutue merde! Mike a quelque chose à dire! Tu seras pas content! Mais il faut... Je vais à l'hélicoptère. Mais tu foutu, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est un très mauvais lancer. Fais attention. Ah. T'avais raison pour les lunettes. Ça fait des années que je te le répète. Oh, haute définition. Attention, la bouche. Hé, hey, Isabelle et Tyrion sont allés à l'étage. Tu veux nous couvrir ? Kelly, couvre la droite. Bien reçu. Ah, couvre la gauche et puis avance. Bien reçu. Tom, tu fuiras. Ouais. Hé, hey, monsieur But, je vais te demander de tirer, mon grand. Je vais te payer la thérapie après. Ça va être nécessaire. Je suis sérieux. Ouais, t'as ma parole. Je m'occupe du milieu. Pendant que je pousse vers les escaliers. Ouais. Hé, hey, beau travail, lieutenant. Toi aussi, enquêteur. T'es peut-être pas si imbécile, après tout. Mais mon signal ? Transition ! Oh, my God.
Mais d'où ils sortent, tous ces hélicoptères? Armando, t'es mon fils. T'es mon fils. Je veux plus me battre. J'en savais rien. Si j'avais su. Mike, qu'est-ce que tu fous? Eh bien, j'essaie de pénétrer son âme avec mon cœur. Non, non, Mike, non. J'ai traversé une drôle de phase. Qui es-tu? Je te l'ai dit. Je ne peux plus en faire.
chance. Qui es-tu? Demande à ta mère. Cierto lo que dice. No importa. No significa nada para ti. Hey, vous voyez tout ce fuego? On peut aller parler ailleurs. Cállate. ¿Quién es? Dis-lui. Dis-lui, mamá. C'est mi papá. Est-ce que c'est mon père? Oui. Tue-le, Herman. Mátalo, carajo! Espérate! No, no, Mike, on doit partir. Mike, faut partir maintenant. Allez. Mike, il faut y aller. Ah, c'est moi qui ai. Me laisse pas. Mike, me laisse pas. Ça va, je te tiens. Mike, ne pas te rendre jusqu'à toi. Je vais tomber. Non, non. Mike, je ne veux pas mourir comme ça. Oh, Mike, je glisse. Allez. Dépêchez-vous. Mon derrière est en train de cuire. Oh. Oui, dépêchez-vous. Il a reçu une balle dans la poitrine. Dans une ambulance. Allez, nous retenir. Je veux pas te voir. D'accord. Relax. Je peux pas te promettre que tout va bien aller. Après tout ce que t'as fait, mais... Je te fais la promesse que je serai là pour toi, ok? Hey, moi je suis ton oncle, Marcus. Mais on en reparlera plus tard. Oh, regardez-moi ça. Ah, voilà. Oui, et maintenant, c'est l'heure de lever nos verres à notre nouvelle capitaine. À notre nouvelle capitaine. Hey, ma mère, tu salues. Oh, celle-là, tu me la pardonneras jamais. Hein. Oh, écoutez, j'ai un truc à vous dire. J'ai commencé une thérapie et mon thérapeute croit que ce serait bénéfique si vous pouviez tous m'accompagner pour une séance de groupe. C'est super sympa. Bien sûr. Ouais. Et Marcus, je peux te parler une petite seconde? Laisse-moi y réfléchir, hein. Il veut qu'on aille en thérapie. Ouais, pas question que j'y aille. Moi non plus. écoute, je sais que c'est pas le genre de choses qu'on se dit entre nous, vieux, mais... Merci. Mike, tu sais que t'as pas à me remercier. Si tu veux prendre ta retraite, tu peux être sûr que je vais pas essayer de t'en empêcher cette fois.
Tu l'as mérité. Et je respecte ta décision. Peu importe ce que tu veux faire. Mais t'oublies une chose importante. Quoi? On a dit pour la vie. Pour la vie, mon grand. Voilà mon petit neveu. Eh oui. Salut. Il vient tout juste de se réveiller. Coucou, ok, passons aux choses sérieuses. J'ai une petite surprise pour vous. Un séjour de 3 jours au Merian Springs Resort. Pour me faire pardonner pour la journée au spa que j'ai gâchée l'autre jour. Oui, on va passer du bon temps, mon chéri. Juste toi et moi. Ouais, mais n'oublie pas que Meghan et Reggie sont en lune de miel. Oh, je vais m'occuper de lui ce week-end. Avec mes copains d'un mot. Allez vous amuser un peu, Teresa et toi. T'as toujours tes petites pilules bleues? Arrête, j'ai pas besoin de pilules bleues. C'est ce que t'as dit pour tes lunettes. On dirait que le bébé aime bien ta compagnie. Uh-huh. C'est vrai que ça te va plutôt bien, bébé. Oh, t'es sérieuse? Très sérieuse. Ça va aller? On s'en va, les amis. Ok? Ouais, qu'est-ce que... Bon, attendez. Qu'est-ce que tu dis? Non, on a dit qu'on le faisait ensemble. Oh non, je dois travailler. Je vais venir te voir demain. J'apporte le vin. Rita, arrête ça. Attendez, vous étiez tous d'accord. On était tous censés rester avec le bébé. Je vais t'attendre dans la voiture. T'as qu'à texter ma mère. Oh, Salut. Ok, c'est pas drôle, c'est... Ok. Ok, comment je... Chut. Hey, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when we come for you? Snake, makanake, six nose, neke. Non. Arrête, ne fais pas ça, c'est la nouvelle génération. Il faut que tu chantes les bonnes paroles, d'accord? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? Snake, ma canaque, stes, no snake. Je suis parti. Comment vas-tu? Je paie ma dette. Ma très grosse dette. Je suis venu t'offrir la possibilité de payer plus rapidement une partie de ta dette. Ça t'intéresse? Je suis partant.